When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming. Quand j'ai appris que tu allais vivre ma chambre hier soir, j'ai eu pas mal de peine. Je recommence à travailler demain, mais ma chambre est près de mon bureau. Ça va être commode. Ma fille Marguerite, secrétaire, jamais je n'ai écrit ça. Vous croyez que je suis pas assez intelligente? J'ai toujours pensé que ça prenait de l'instruction pour devenir secrétaire. Mon nouveau patron m'a dit que j'apprendrai vite. En plus, le salaire est meilleur qu'à la Senza. Je te prends pour en profiter. Du moment que tu continues à mener une bonne vie. Vous croyez que je peux devenir une fille de mauvaise mère? Pas une miette. J'ai besoin de tout mon courage, maman. Si c'est une chance qui s'offre à toi, ma petite fille, manque-la pas. Ton bonheur, c'est toi qui le fais. Moi, si ma vie était recommencée, j'y penserais deux fois. Ma vie, je suis encore bonne d'appeler ça une vie. J'aurais jamais dû me remarier. Je l'ai fait parce que je voulais être pas obligé de laver les planchers d'un bord à l'autre de la ville. Je l'ai fait pour être capable de vous faire vivre en main, toi. J'ai accroché le premier bœuf qui m'est tombé sur la main. Et puis, vas-y donc, il m'a rien donné. À part pleurette, rien. Pour les enfants, ils sont toujours là. Pour sortir, les femmes, les habiller comme du monde, tu peux apprendre, tu peux courir ton mail. Tu vieilliras, t'engraisseras, les enfants t'insulteront dans la rue, et tu voulais te défendre. Même si tu voulais te défendre, tu sais d'avance que c'est inutile. Tu n'es pas plus qu'un chien. Tu vis comme un chien, puis tu meurs comme un chien. Je te le dis, Marguerite, fais-toi pas prendre comme moi. Je te dis, Marguerite, si tu veux te marier un jour, marie un gars comme Titman. Il est toujours bien habillé et toujours poli quand tu le rencontres. Il va aller loin dans la vie. Je vais te laisser, maman. Je vais partir avant que les autres arrivent. C'est quoi le nom de la compagnie où tu vas travailler? Je ne te dirai rien. C'est pas encore connu. Vas-tu me laisser une adresse? Je vais un autre jour. Moi, si j'avais ton âge, Marguerite, je ferais n'importe quoi pour arrêter de vivre avec la famille Latour. C'est rien que Joseph que je ne pouvais plus endurer. Lui, son chien est mort. Ça fait plus que 2 mois qu'on l'a fait vivre. C'est assez. Oui, maman, je viendrai des fois. Et puis je t'apporterai des cadeaux. Faut que je parte. Maman. Comment ça va, maman? Bonsoir, maman. Tu as passé une bonne journée? Non. J'avais des pieds et pas de rencontrer. Mais j'ai raté mon coup.
Jersey Brown comme Emily Joseph qui viennent se planter juste devant la maison pour gueuler leur chanson malpropre. On manque légèrement d'entrer au travail le lendemain. Je demandais à Edouard de se lever pour les faire taire. Il a simplement pas bougé. Maintenant que Joseph a retrouvé son ami Emil, on va attendre des belles. Ça va être pire que jamais. Marguerite est partie. Elle avait le cœur gros. Je l'ai vu passer dans l'auto de Dittman. J'espère que c'est vrai son histoire de secrétaire. Marguerite n'est pas manqueuse, voyons. Si tu partirais tantôt, je sais pas qu'est-ce que je deviendrais toute seule. Je partirai pas, maman. Je vais rester avec toi. J'aime les filles d'abord, puis je ne saurais pas comment me débrouiller toute seule. Seulement, j'ai pris une décision aujourd'hui. Ou bien Joseph se trouve un nouvel emploi et paye sa pension, comme tu l'aurais fait moi. Ou bien on s'arrange que pour s'en parler, je dors. Je suis le bon cher, maman. Depuis son retour, j'entends rien que ça. C'est trop bon pour lui. Va falloir qu'il nous remette ça. J'en ai assez de travailler comme un esclave pour nourrir un paresseux de son espèce. Non, il n'y aura pas ce soir. J'ai tout terminé au travail. Quel air drôle. C'est son âme tous les jours, depuis quelques semaines. Il parle pas, il pense à autre chose. On dirait qu'on n'existe même plus pour lui. Le problème de Joseph doit le tracasser autant que nous autres. Mais il est trop orgueilleux pour l'avouer. Joseph est pas ici? Non, l'après-midi, il traîne dans les tavernes. Et après, il se déménage jusqu'au grill. Et après, dans les maisons de chambre, une vie de tapas. Quoi? Et puis, devrais le savoir, ça fait assez longtemps que ça dure. Sans compter que tu l'encourages à mener cette vie-là, il en lui prend pas d'argent. Qu'il ne te remettra jamais. Il a promis qu'il me le remettra. Comment veux-tu qu'il te remette, ma pauvre petite fille? Il travaille pas, il gagne, rien. Yeah. Je sais pas, je lui fais confiance, c'est tout. Tata, c'est l'heure de préparer le souper. Non, avant le souper, à ma maman a décidé qu'on avait des problèmes de famille à régler. On les réglera après le souper. Non, à ma et moi, on a décidé que c'était tout de suite. C'est à moi qui est le maître de la maison, tu sais? Ça devrait l'être, parce que tu n'es pas capable de prendre tes responsabilités. Mes responsabilités, je les prendrai le moment venu. Justement, le père, le moment est venu. Marguerite est partie de la maison. Elle aurait sûrement resté si tu avais réglé le problème de Joseph plus tôt. Mêle pas les cartes, Bertha. Si Marguerite a sacré le camp, c'est parce qu'elle le voulait. Tu sais autant que moi qu'elle se plaisait pas avec les autres, même avant que Joseph soit démobilisé. Elle aurait sûrement resté plus longtemps. Peut-être, mais je veux pas le savoir. Qu'elle aille son chemin toute seule maintenant. On va laisser Marguerite de côté le père. Le vrai problème, elle l'a quand même. Le vrai problème, c'est Joseph. Tu sais quoi? Je vais régler ce problème là tout de suite. Que Joseph, il trouve du travail, sinon je le mets dehors. Je veux plus en entendre parler.